ferme, le lieu des Nouvilles, se situait juste dans la périphérie du château. C'était la ferme la plus près sur toutes les fermes que possédait. Et les, bon, bah, déjà l'occupation, c'était un point stratégique quand même, puisque le château a été occupé dès 1940 et la commandanture était au château. Et automatiquement, les Allemands occupaient chez mes parents la ferme. On avait le contact avec les soldats allemands journellement, tous les jours. Hein. Bon, bah, jusqu'au jour où les événements ont fait qu'en 1944, les Allemands eux-mêmes sentaient qu'il y avait une certaine tension qui s'occupait. On en parlait d'une façon plus ou moins ferme, mais je les ai entendus plusieurs fois, je me souviens. Les entendre dire oh là là, grosse manœuvre, bon ben c'était les prémices. Il y avait même un âne chez nous qui avait été réquisitionné, puis on voyait une certaine tension de jour en jour qui s'intensifiait, puis ne serait-ce que les vagues d'avions qui passaient tous les jours pour aller bombarder dans différents endroits, jusqu'au jour où il y a eu l'événement le 6 juin 1944. Alors là, je m'en rappelle doublement parce que ma mère était partie accoucher de ma sœur à la clinique de la Miséricorde à Caen. Et quand l'événement s'est produit dans la nuit, je me souviens que mon père, du fait de la situation de la maison familiale, le ciel était en feu. Et puis j'ai compris son inquiétude. Et là, j'ai vu. Moment-là, il y a eu. C'était un véritable feu d'artifice, puisque dans le même temps, il y a eu les avions qui se sont écrasés. Il y a un planeur qui est tombé dans une herbage au de la côte, là près du calvaire. Il s'est cassé en deux, et à l'intérieur, il y avait une Jeep. Et la Jeep a été récupérée par l'officier allemand qui habitait au château. Hein. Ça devenait vraiment insoutenable pour mon père, puisque l'inquiétude était de plus en plus grandissante et on n'avait aucune nouvelle de ma mère qui était restée sous les bombardements à Caen. Et il s'est écoulé une douzaine, oui, facilement 10 jours avant qu'on ait su qu'elle était. Qu'elle avait réussi à s'échapper avec ma sœur et qu'elle était arrivée dans une ferme à Desmouvilles. Et elle leur a demandé le landau de leur fils. Et après bien des hésitations, ils l'ont accepté. Et là, elle a décidé de reprendre la route, hein, parmi tout ce qu'il pouvait y avoir et les difficultés qu'elle a rencontrées. Et elle est repartie avec ma petite sœur. Et lorsqu'elle est arrivée à la ferme, bon, bah, imaginez un petit peu sa joie et son inquiétude en même temps. Et lorsqu'elle a commencé pour descendre à la ferme, hein, elle s'est aperçue qu'il y avait des trous de bombes dans la ferme. Il n'y avait plus de tuiles sur le toit de la maison, donc une nouvelle appréhension. Et ce qui l'a réconforté, c'est qu'elle a vu du linge détendu sur le cordeau et de la fumée. Elle s'est dit, bon, s'il y a de la fumée, c'est probablement que la famille est encore là. Après, il y a eu cette période d'occupation qui a duré très peu de temps, puisqu'on a évacué. Mais enfin, en ce qui concerne l'histoire de ma mère et de ma sœur, bon ben, c'est vrai qu'on a vécu des moments vraiment durs et difficiles parce que on l'a cru vraiment disparue. Là, lorsqu'elle est partie de la Miséricorde,
l'escalier où elle était flambait, et c'est là que elle a pris la décision de partir contre le gré des sœurs. J'ai dit non, vous ne partirez pas, vous n'êtes pas bonne. Si, 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 je pars. Et elle a traversé Caen dans des conditions, il n'y avait pratiquement plus de pont, plus rien du tout. Mais elle a fait preuve d'un courage surprenant, mais ça faisait partie de. C'est ce qui lui a permis d'ailleurs de pouvoir s'en sortir.